Malade, vous êtes sur Summoner.fr. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo de Summon. Nous sommes sur le compte aujourd'hui de Nailmaker. Devant une magnifique Pokéball. Avec un, <laughs> un hôtel des Witches au milieu. Ouh, je vois, je vois des petits monstres qui se baladent à côté de la Pokéball. Je vois un Wissa, un Mewang, un petit Luchenne. Et ben écoute, Nailmaker, on va aller voir tout de suite ces monstres. Voir un petit peu ce que tu nous as réservé. Ah, ouais, oui, ouais, très joli déco. Ah! <rire> excellent <rire> Magnifique, excellent bah, Je vois que monsieur profite bien des, des nouveaux euh, éléments de décoration que nous a apporté la, la, la mise à jour. <laughs> Et pourtant, euh, il a les moyens, hein, parce qu'ils ils sont clairement pas donnés, ces arbres. Hein. Je sais pas si vous avez vu un petit peu les prix, mais euh, c'est pas du genre à rigoler. Hein. Qu'est-ce qu'on a là-dedans Pas de petit vélin, c'est pas grave. On va aller se mettre sur le Chan 6667 pendant que j'y pense. toc tac, tac, tac. Voilà! Ah! <laughs> fait attaquer! <laughs> Allez, on va commencer par les monstres. On fera ensuite le Wish, on va regarder euh, l'arène, tout ça, tout ça. On a un Luchenne, on a un Luchenne qui est un slow Luchenne, mais qui a pas mal d'attaques. Il est en rage, ok. Attaque, dégâts des critiques, attaque. Euh, manque un peu de taux de critique. Il manque un peu quand même de taux de critique pour être vraiment parfait pour un slow Luchenne, hein. on est d'accord. On a un Veromos qui est rapide, précis, qui a des points de vie et qui est en Swift. Ok, vitesse, point de vie, point de vie, très bien. On a un Wusa, très très beau Wusa. Hein. C'est euh, un monstre qui pose une immunité, mais qui est extrêmement rapide. Donc euh, du coup, ben voilà quoi. S'il a outspeed qui pose son bouclier là plus son... son immunité, ça peut être vraiment très sympa. Il est en Swift, full point de vie. Ok, j'aurais peut-être quand même mis en vitesse. Histoire qu'il soit vraiment euh, voilà quoi, genre uh, 230. Euh, tu, tu commences à être bien, hein. Ouais, ouais. Ok. Le petit Mewang en vampire. Vitesse, point de vie, point de vie. Ah c'est. Ok. Moi, honnêtement, je le vois plutôt en attaque, dégâta... dégâts des dégâts, critiques, dégâts, 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 point de vie. Euh, donc en mode hybride on est d'accord, mais, euh, mais pas forcément en, en vitesse pour le coup je verrai plutôt la vitesse sur vous mais pas forcément sur lui. Le Orochi bon bah ça c'est du classique. Par contre on attendrait plus de précision d'un 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 Orochi. <laughs> si vous l'avez avant de faire GB10, moi je vous conseille un triple 7 focus énergie lame. 85 de taux de critique, 85 de précision, et il est bon. Il est magnifique pour le, pour le géant. Hein. On a un Bernard. Euh, bon, d'accord. Qui nécessitera toujours un petit peu plus de vitesse. Et on a un Bella en violent. Vitesse, point de vie à ah, précision. Ça, c'est dommage. Parce que du coup, ouais, il n'est il est pas trop trop tanky, ce petit Bella. Ok. Voyons voir un petit peu. chuck 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 Où est-ce que je l'ai vu tout à l'heure Ah oui, c'est là. C'est là, c'est là. Ok, t'es encore en... en phase de farm, hein, c'est normal. À ce niveau-là de jeu, hein, honnêtement, vous, vous embêtez pas à faire de l'arène, vous y allez pour farmer vos points, pour faire votre Moon chaque semaine, et c'est ça qui est important. Que je repère un petit peu, voilà, le stockage, il est là, t'as bien dû mettre des choses au stockage. Un petit Mav, tu m'en avais parlé, justement. Et puis... Euh... Ah, ok, un rama, Spectra... Plein de food <laughs> Derinade, des oh là là plein de choses, plein plein de food. Oh là là là, ouais, plein de food, plein de food. Ouh <laughs> Ça ça fait plaisir. Ça ça fait plaisir. Monsieur attend un petit 5 étoiles et instantanément, il sera full skill, vous allez voir. <laughs> On a pas mal de choses à invoquer hein. Je vois 5 légendaires. Je vois 16 light and dark. Oh là là là, là, les l'événement élémentaires. 300 Pff, Mon dieu, mon dieu. Mon dieu. C'est trop. <laughs> allez, on est parti. Les Vélas mystique. Écoute, tu m'as dit que tu voulais. Euh, bah, déjà garder des fous. gna gna, gna. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu m'as dit d'autre Qu'est-ce que tu m'as dit d'autre que tu voulais Bah, allez, voilà, ok. Tu m'as dit que tu voulais les bons 4 natt. Bah, on est d'accord. Hein. Les bons 4 natt, ça c'est super important. Verdé, Chloé, Chazune, Galion. Tous ces monstres-là. Euh... Oh Oh Des incels Ah ah <laughs> C'est dommage, c'est dommage. On aurait préféré une petite roi, oh, mais euh, tant pis, tant pis, tant pis. C'est sous à un petit cuivre, hein. cuivre. Vous savez que j'apprécie particulièrement en ce moment. Qui est un monstre, hein. qui est un monstre en GVG. C'est tellement fort. Surtout si vous avez eu l'occasion de farmer le HOH Imeseti, euh, je vous renvoie au petit, euh, au petit gros plan que j'ai fait au petit gros plan. C'est intéressant ça. Au gros plan que j'ai fait sur les deux, hein. la combo qui fonctionne bien, c'est, euh, c'est très très sympa. Pour dire, c'est un 3 étoiles. C'est ça qui est bien, hein. on peut aussi s'en sortir avec des monstres plutôt faciles à obtenir. Allez, on est parti. Pour l'instant, on a une sou, c'est pas forcément génial. Donc, on va continuer, on va accélérer, on va essayer de faire chauffer un peu de Stonehenge et te sortir les bons 4 étoiles que tu veux. Ah, ces bons petits 4 étoiles là qui, euh, qui font quand même toute la différence. Hein. Ils vont vraiment vous faire basculer du mid-game. Up au endgame. Hein, ils, vont vous passer, ils vont vous permettre de, de, de passer la tête en géant. Et puis, une fois que vous passez la tête en géant, bah voilà quoi. Et c'est parti pour le farming de runes. Je sais que c'est pas drôle. Honnêtement, je sais que c'est pas drôle. Mais il faut quand même vous rendre compte que, du point de vue du jeu, c'est ce qu'il y a de plus efficient, de plus important, de plus productif à faire pour augmenter le niveau de votre, de votre compte. Hein. Faut pas chercher. Hein, euh, la TOA, la TOA hard, reine, tout ça. D'accord, bon ok. Mais. Le farming de runes, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour augmenter le niveau de votre compte. Voilà, donc il est très important de pouvoir aller farmer le géant B10 le plus tôt possible pour pouvoir... Allez, on est parti On est rentré dans la mécanique, dans euh, ce, ce. Un petit peu, voilà, quoi, ce, ce. jeu de haut niveau de on farm des runes, des runes, des runes, des runes toujours des meilleures runes. Et euh, c'est comme ça que vous allez améliorer votre compte. Fria, c'est pas formidable, hein. C'est pas formidable pour l'instant. Euh deux étincelles, donc ça déjà c'est pas génial, mais en plus, deux quatre étoiles, euh, pas franchement intéressant. Alors, s'il vous plaît, faites quelque chose. Des elfes patrouilleurs, ça c'est très bien. Des griffons, tu m'as demandé aussi de les garder. Ah, voilà, des étincelles. Peut-être qu'on va enfin choper fumée. D'accord, c'est correct pour le nécro. Je dis que c'est important de farmer les runes, je peux pas cracher sur, euh, sur fumée, vu que justement il est très très bien pour le nécro. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres qu'on veut, hein. Allez, un petit verdé, une petit toit. Ah non, c'était un petit fake. Et là, on a des étincelles. Juste derrière, Ryan. Qui est pas si mal. Honnêtement, qui est pas si mal. C'est pas encore, effectivement, un de ces top Nat 4 qu'on attend. Mais voilà. Oui, le farming de runes, hein, euh, clairement, début du jeu, vous allez, farmer le... vous allez faire le scénario. Ok. Une fois que vous avez fini le scénario. Que vous avez farmé vos starters, objectif, GB10. C'est parti pour le GB10. Et une fois que vous le tenez, une fois que vous avez fait votre Veromos, que vous avez votre Bella, votre Shannon, votre Bernard et votre cinquième monstre, si vous n'avez rien looté jusqu'à jusqu maintenant, mais c'est pas grave, vous mettez Darion, c'est farmable, et ça va très bien. Et puis après, bah vous allez euh, améliorer votre team, farmer plus vite. Et au fur et à mesure, bah c'est comme ça que vous allez améliorer votre compte. quoi, Farmer, farmer des runes, toujours, toujours. De plus en plus vite, de plus en plus efficacement. Sur le géant, ensuite sur le dragon, enfin sur le nécro. Une fois que vous avez vraiment, vraiment bien farmé tous ces, tous ces donjons. Une fois que vos monstres, ils sont correctement ruinés. Que vous en êtes content. Qu'il y a les bonnes stats au bon endroit. Là, vous pourrez aller sur le raid. Donc c'est parti, on se fait sa team raid. Euh, on farme minimum le 4, hein, je vous l'ai dit, si vous ne farmez pas le 4, ne farmez pas le raid, c'est que vous n'êtes pas prêt. Une fois que vous êtes prêt, c'est parti. On farme le 4. Une fois que le 4 passe bien, on farme le 5. Et c'est parti. On continue, on continue. Et on... là, on va plus choper de bonnes runes. On va améliorer les bonnes runes. Ah, excellent Ça, c'est un bon 4 étoiles. Tiron, très très bon. Excellent monstre contrôle que tu apprécieras particulièrement sur la TOA sur la Théo Hard. Euh, c'est vraiment un très très bon monstre. C'est un leader skill de vitesse aussi, hein, mine de rien. C'est un leader skill de vitesse, donc évidemment on aime. Je dis oui, je valide. Tiron, c'est très bon. Ok, on va se faire un peu de place pour pouvoir continuer cette énorme summon que tu nous as préparé. <laughs> Ce mec est un fou. Hein. Il nous a mis de côté une quantité de vélin assez incroyable. Heureusement, il nous a fait pas mal de place. Il m'a dit qu'il Fallait faire aussi un petit peu de food Ou au pire, acheter euh, des espaces On verra bien On verra bien s'il nous manque autant de place que ça Allez, c'est reparti Mon petit name maker Allez, 230 vélins Honnêtement, il y a encore de quoi se faire plaisir euh, Je te cache pas que Les, quatre bon... les, les bons 4 étoiles Me feraient plaisir, mais un Petit fake euh, Un petit 5 étoiles quand même, ça rajouterait hein, Ça serait un peu la cerise sur le gâteau Mais ne soyons pas trop gourmands Hein, attention, il reste 230 V là, on est d'accord, mais quand même. Chazune, Chloé, Galion, c'est ça qu'on veut en premier, hein. évidemment. Allez, on continue. Voilà. Oui, je vous parlais du raid, évidemment. Une fois qu'on a les monstres, une fois qu'on a mis les runes dessus, les bonnes runes au bon endroit. On a des bonnes runes. Encore un fake, oh là là. Eh ben, on va vouloir améliorer ces runes. Et on améliore ses runes. Parce qu'en améliorant ses runes, eh ben, euh, on va aussi améliorer son farmage. On va farmer d'autant plus rapidement euh, le géant, le nécro, le dragon. Euh, et puis bah, plus on farm rapidement, et eh ben, plus on, on a de runes ou plus on a de, de matos pour crafter des runes. Et c'est le cercle vicieux, enfin, ou plutôt le cercle vertueux. On va toujours de plus en plus vite. Ah à... Ok, Wushi. C'est un bon contrôle d'ATB. Hein. C'est un bon contrôle d'ATB. Tu peux éventuellement le garder, le mettre de côté pour plus tard, quand tu seras sur la fin de la Théo Hard. Euh, là, il peut vraiment euh, devenir vraiment très intéressant. Ah, encore des étincelles. Ça, c'est bon. On se rattrape un peu sur les étincelles, mais c'est pas génial, les monstres. Par contre, euh... Roi Barbare Vent. Euh... Pff, voilà, quoi. Ah, mais c'est bien, là. On se rattrape un peu, là. Ah, tu l'avais déjà. Aquila. Aquila est très bon. Hein. Aquila est très, très bon. Strip de zone, euh, son skill 1 qui lui permet de rejouer, de récupérer ses tours, c'est vraiment bon. Euh, et euh, son, son boost, hein, qui, est, euh, qui est pas mal aussi, qui est vraiment euh, un monstre sympa. Hein. Honnêtement, moi je trouve que les trois euh, les trois Brownie magiciens sont vraiment des bons monstres. Hein. Bon, ah bah voilà, je commençais à dire... <laughs> oh non, oh là là Il y a des étincelles, hein. il y a des étincelles, on se fait plaisir sur cette semaine, mais purée y a pas ce qu'on veut, il hein. n'y a pas les bons gros 4 étoiles. Bien voilà quoi, oui, quoi. oui de qui je veux parler. hein. <laughs> allez, là, il nous reste 200 vélins. Vous allez pas me faire croire qu'en 200 vélins on peut pas choper un 4 étoiles sympa quoi. Oh, allez, 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 faites quelque chose là, comme tous, quand même, pour mon ami Nailmaker qui nous avait préparé une semaine monstrueuse. Bon, après, à la fois. S'il n'y a pas de 5 nattes, mais qu'il euh, y a un beau 4 étoiles ou même un beau 5 étoiles sur un light and dark, alors là, on sera refait. Allez, là, sortez-nous quelque chose, quoi. S'il vous plaît Je ne voudrais pas être obligé de vous supplier, mais quand même Ah, bah voilà Allez, 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 allez Ah, Taurus, Taurus, c'est bon. Taurus, c'est très, très bon. Par contre les Bombers, bah voilà, ça se joue, ça se joue avec Sira, avec Tiana, des teams comme ça. Mais les bombers, c'est très très bon. Hein. J'aime beaucoup. Tu verras, à partir d'un certain niveau dans le jeu, hein, à partir euh, Voilà, quoi. Quand, quand vous faites du GVG à des niveaux assez élevés, ou même de la reine, il euh, y a des mécanismes que, sur lesquels vous allez tomber. Entre autres, je pense au Rune Wheel, euh, des, des choses comme ça. Qui font que bah, pour tuer, vous avez besoin soit d'un stripper et d'un breakdeath. Donc euh, voilà, soit euh, d'un stripper et, euh, et de bombeurs ou de monstres qui ignore l'armure. Donc euh, c'est des monstres, tous ces monstres qui ignorent l'armure, hein, que ce soit avec des bombes ou euh, des luchènes, euh, des, des, des cuivres. Voilà, tout ça, c'est le genre de monstres que vous allez retrouver plus tard hein, à haut niveau. Et, euh, et c'est là vraiment que euh, vous allez vraiment vous en servir. Hein. À bas niveau, ça va. À bas niveau, vous n'allez pas rencontrer tant de will que ça. Mais, euh, mais à haut niveau, oui, malheureusement, partez du principe que tout le monde est en wheel. Ok, un petit Avarice, c'est très sympa, hein, il a été en Hall of Hero, donc bon, voilà. Allez. Ah, plus de place à nouveau, on est reparti. Hop hop, on a rechopé encore quelques 4 étoiles, hein, ça nous fait bien plaisir, c'est bien sympa, mais. Honnêtement, euh, c'est pas, euh, pas encore, ça, hein, c'est pas encore ça. Je, le, je ne m'estime en tout cas pas du tout satisfait pour le moment de cette semaine. Il y a intérêt à ce que ça, ça tombe du lourd parce que pour l'instant, je vous avoue que je suis un peu déçu quand même. Hein. Alors, il nous reste encore une centaine de places. C'est pas mal. Hein. Euh, on n'aura pas assez très probablement parce que, euh, bah rien que là, il y en a encore 150 des Vélins Mystiques. <laughs> Cette semaine est énorme. Mais euh, tant pis, on se fera un petit peu de food. Hein. Allez, 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 des étincelles là, sortez-moi un bouquet de nat, hein, je vous préviens. Oh là là, un roi barbare quoi. Ils sont pas mauvais, mais ils sont mid-game. Ils sont mid-game. Après, à haut niveau, honnêtement, à moins d'avoir le Light and Dark, euh, vous, vous allez plus rien en faire de vos rois barbares. Allez, encore un fake. Oh là là. On en a des 4 étoiles, y a rien à dire, on en a des 4 étoiles, mais... C'est pas ce qu'on veut, hein Allez, hop, on continue. Du Taoïs, du lutin champion. Ne sous-estimez pas Yaku, hein, par exemple. Trois étoiles, Lutin Champion, ignore def. Voilà. C'est le genre de monstre que vous pouvez sortir en late game. Bulldozer, pareil. 3 étoiles, mais ignore def. Donc il euh, ne faut pas les sous-estimer. Hein, C'est des monstres que, euh, pour lesquels vous ne trouvez pas forcément d'utilité maintenant, mais qui peuvent tout à fait être jouables plus tard à haut niveau. Allez, encore des étincelles, sérieusement, sortez-moi quelque chose là. Miang, ok, ok, ça c'est un très bon 4 étoiles. Là, je suis content, ça me fait plaisir. chasune aussi, ça m'aurait bien fait plaisir. Euh, Miang est un petit peu plus. Oh, deux étincelles coup sur coup, là c'est beau ça. Ah, ok, Fuko. Bon, c'est sympa, mais euh, bon. Euh, Miang est trois étincelles, nom de Dieu. Ah <laughs> oh non, encore une liche, encore Fuko Mais c'est incroyable. Deux étincelles coup sur coup, deux fois le même monstre. Allez on... encore Non <laughs> c'est fini On a brisé la malédiction de la, de la momie. <laughs> enfin de la liche, pardon. <laughs> oui, je disais Miyang, c'est très très bon. Euh, c'est... Voilà, ça peut servir en dragon, ça peut servir en raid. Euh... Donc du coup, c'est plutôt late game. La pisse, on va faire comme si on n'avait rien vu. Et on continue donc effectivement c'est plutôt late game, hein. c'est plutôt late game, mais, euh, mais c'est très très bon. C'est très 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 bon comme monstre. Allez, hop, on continue. C'est exigeant, hein. par contre c'est exigeant à runer, ça, il euh, n'y a pas de problème là-dessus. De toute façon, c'est simple, hein. plus vous allez monter dans le, dans le niveau de jeu, et plus vous allez utiliser des monstres, vous allez voir qu'ils seront exigeants en rune. Hein. C'est pas le tout d'avoir des 5 étoiles, mais vous vous en rendez compte hein, si vous vous en avez. Euh, les 5 étoiles sont souvent des monstres très exigeants en runes. Ils vont vous demander un petit peu toutes les stats. Et waouh! Wow. <laughs> à bas niveau, c'est pas toujours. Euh, pas tout... Ah bah ben voilà, j'en parlais du petit Yaku tout à l'heure. À bas niveau, ouais, euh, avoir un 5 étoiles, c'est pas toujours une bénédiction. Allez, hop, on a eu Miyang. Super, ça nous fait bien plaisir. On a eu un 4 étoiles vraiment sympa. Euh, bon, hein, il serait quand même peut-être temps de, de nous sortir quelque chose là. Allez comme tous, faites un petit effort pour mon ami Nailmaker, là. Allez, sérieusement, allez. Bon, bah, c'est reparti. Alors j'accélère si c'est ça. Hein. Ssss, hop. En tout cas, on aura chopé du du. Oh, je suis allé un peu vite. Oh, 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 oh. oh, oh et voilà et voilà, voilà, voilà le monstre qui fait plaisir. Voilà ça c'est quasiment un 5 hein les gars, faut quand même se l'avouer. Yes, yes, yes yes, là là ça y est là ah, je commence à me détendre. Je commence à être bien dans cette semaine, hein. on a chopé millionson c'était bien, c'était sympa mais c'était la muse bouche, vous voyez, il fallait quelque chose derrière, le plat de résistance, quelque chose d'un peu consistant. Et bam, c'est Galion, excellent, ça ça fait plaisir. Ah bah voilà voilà le bon mob bien game changer hein. ça sac galion y a pas de problème ça vous change la vie hein. autant en PvE qu'en PvP hein, d'ailleurs c'est vraiment et qu'en GVG et que pff, en tout ce que vous voulez hein. c'est vraiment très très fort partout <laughs> donc c'est nickel allez 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 ok dommage tant pis allez ah, besoin de place, besoin de place, et je pense qu'on va bientôt avoir besoin aussi de faire de la food parce que euh, je vais, je pense gentiment finir de remplir. Clac, il va plus rester tant de place que ça. Ah, le petit galion là, je dois vraiment vous dire que ça me fait franchement très très plaisir. Hein ah bah vous le savez, hein, je veux dire, si vous suivez un petit peu la chaîne, euh... il ouais, y, y a un beau bon petit paquet déjà des 4 étoiles, nom de dieu <laughs> Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous le savez, hein, je veux dire, c'est un petit peu le monstre, euh... bah, tout le monde court après, hein. c'est les... les 4 étoiles clés, de toute façon, faut pas chercher, hein. vous pouvez jouer sans, hein, mais ça sera beaucoup plus douloureux, hein. ça il n'y a pas de problème, hein. ça c'est comme de faire du vélo, vous pouvez faire du vélo sans sel, hein. ça il n'y a pas de problème ça sera quand même nettement moins euh, confortable qu'avec la selle. Donc euh, voilà, dans, dans, dans leur Soir, euh, les 4 étoiles clés, c'est un petit peu ça. Hein Vous pouvez jouer sans, mais c'est quand même plus confortable de les avoir. <laughs> autant, honnêtement, on peut quand même très facilement se passer de 5 nats. Autant cela, ces 4 étoiles, euh, c'est un peu plus dur. Ok, ups, le Tawizdo, qui est pas si mal, mais bon. Non 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 non, c'est pas ce qu'on veut. On veut une Chloé, un Verdé, une Chazune. Allez allez, une Roi. Allez, on perd pas la main là. On a eu Miyang, on a eu Galion. C'est une belle semaine. C'est une très très belle semaine. n'y a pas de problème là-dessus. Allez, sortez-nous quelque chose, Mave. Mais tu m'as dit que tu l'avais déjà full skill. Félicitations. Ça voilà, ça se respecte. <laughs> Il faut respecter Mav. Déjà, il est trop mignon, hein, de base, donc euh, vous êtes obligé. Puis en plus, il est tellement fort! Oh non, mais encore une fria, quoi, mais. <laughs> mais non, mais non, mais pas ça, quoi! <laughs> c'est pas vrai! Bon, allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Rien n'est perdu, loin de là, vous avez vu encore tout ce qu'il a invoqué, c'est tellement énorme! Il y a encore moyen de se faire plaisir. Regardez, il y a 60 Vélins mystiques. Moi, j'estime qu'il nous faut encore au moins 5-4 étoiles. Sur 5-4 étoiles, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas moyen de choper un truc sympa, quoi. Eh, hey, je peux pas y croire. Allez, hop, on est parti. Allez. De la foudre, t'en auras. En tout cas, waouh. Wow. Tu m'as demandé de garder la foudre pour... Euh, pour Bernard, je crois. Tu m'as demandé... Euh, Oh, 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 oh là là, yes Yes, ça c'est beau ça Ça c'est génial, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'il y avait encore moyen de se choper un joli 4 étoiles. Et ben voilà, c'est Chloé. Ah oh, yes Chloé, galion dans la même summon. Ça devient vraiment vraiment... Euh, wow <laughs> Surtout que t'as Miang en plus qui va aussi particulièrement bien avec Chloé. Puisque avec son, son skill qui, euh, qui prolonge les buffs d'un tour... Tu prolonges l'immunité, tu prolonges la vulnérabilité, c'est magnifique, excellent, ah super, super, super. Bon et Chloé, on n'en parle plus, hein. bah, voilà, c'est un des quatre étoiles clés, tout le monde la connaît, c'est euh, voilà, c'est un petit peu l'entrée dans le grand bain en arène Chloé. Hein. Je me souviens d'une époque encore un fake, je me souviens vraiment d'une époque où euh, voilà, on, on avait Chloé, euh, on était conquérant, quoi, Il, ça ça tenait pas à grand chose, euh, ça tenait qu'à ça. <laughs> Allez, euh, il faudra que je fasse de la foule. Hein. Il faut pas que j'oublie qu'il faut que je fasse de la foule. Allez, encore des étincelles, ça c'est très très bien. J'avais demandé 5 avant la fin, miken. Bon, miken, c'est fusion. Euh, bon, voilà. Non. Je ne vais pas me plaindre. Honnêtement, je ne vais pas me plaindre. J'ai franchement pas le droit parce qu'avec ce que j'ai invoqué jusque-là, et Chloé, Ouais, quand même. Il n'y a rien à dire. Je voulais des boquets nattes, j'ai eu mes bocats. nattes. Hein. <laughs> Alors, je dis rien, je dis rien, je me plains pas. Hein, je, je prends ce qui vient et voilà. Bon, allez, on a fini. On va aller ranger, je pense, une dernière fois. Ouais, une dernière fois. Et puis, il faudra qu'on fasse de la food. Il nous faut de la food. Je vais, je vais laisser un peu la food. Hein. Ouais, ça, ça se food. Ça, ça se food. Ça, ça se food. Ça, ça se fout aussi. Ça, peut-être pas forcément. Tu voudras peut-être un jour. Euh, ça, ça se fout pas. Euh, ça, ça se fout pas. Ça non plus. Ça non plus. Peut-être pas. Ça, ça non plus. Hop, voilà. Le reste, ça se fout. Alors, du coup, on va prendre de la foudre. Hop, 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 hop. Voilà, on a pris de la food et on va faire de la food. C'est le petit moment, euh, c'est le petit moment food de euh, cette vidéo. <laughs> Alors, on est parti, on va se faire un petit peu de food. On ne va pas manger de choses euh, qui seraient trop dommages. Ah, j'aurais pu garder les. les... Ouais, ouais, j'aurais pu garder. C'est vrai qu'ils sont pas farmables ceux-là. Si jamais tu veux te faire un petit randy, hein, c'est quand même toujours avec plaisir qu'on se fait un petit randy. Même si, euh, bah voilà, ça va aussi très bien avec Imesetti et que lui, Imeceti a eu un Holofiro. donc euh, peut-être que tu en as, peut-être que tu en as. Un. Ok, check, check, check. Voilà, voilà. Hop, on continue, on se fait de la place. On a encore pas mal de choses à invoquer. Hein, mine de rien, euh, je sais pas si vous avez vu, mais euh... <laughs> ne serait-ce que les 16 Light and Dark. <laughs> Ça, j'avoue que je suis un peu impatient. Hein <laughs> les light and dark, c'est sûrement les V1 qui me font le plus plaisir à invoquer, quoi. Parce que quand même, quoi, hein il y a quand même vraiment moyen de se faire plaisir avec cela. Hein ok, check, check, check. Voilà. J'ai plus de quoi food, alors je vais aller ranger. Voilà. Voilà. Là. Ok. Il me reste un petit peu, du coup. C'est parti. On va peut-être avoir de quoi finir ces vélins mystiques. Alors, il nous en reste 37. Allez, on se dit quoi Deux étoiles Deux étincelles, plutôt Deux, trois étincelles Vous en... Vous en pensez quoi Allez, on va bien. On va bien voir. Oh, déjà une. Déjà une. Ah, encore fumée. Mais non Allez, on peut rien dire Et de 2, c'est trop beau Cette semaine est magnifique Ah, l'UR, tu viens de choper Galion hein, Donc là, pour le coup euh, L'UR, mon pauvre ami euh, <laughs> T'arrives un tout petit peu trop tard C'est dommage Allez, allez, il nous reste 30 vélins Bah écoutez, j'avais dit 2 ou 3 étincelles On les a eu deux coups sur coup Il y en a au moins une hein, Au moins une qui nous reste Ah, un fake, oh là là, mais la quantité de 4 étoiles Quoi J'hallucine complètement. Incroyable, hein. Faudra qu'on compte à la fin, mais c'est incroyable la quantité. Ah, je sais bien qu'il y avait beaucoup de vélins, mais quand même. <laughs> Allez, une vingtaine là. On accélère un petit peu, on va faire sortir un dernier. Oh yes, c'est trop bon, on est tellement au-dessus des stats, quoi. Ah, petit Kaito. Ouais, sympa, mais. Allez. Allez, allez. Maintenant, on en veut plus, quoi. À chaque fois, je dis, ouais, j'en veux deux, trois. Allez, encore, encore. Donnez-moi encore. J'en veux encore. J'en veux encore des étincelles. Allez, allez, allez. Un petit verdé, là. Un petit verdé. Ça pourrait être sympa, quand même. Un petit verdé, là, pour bien finir cette summon. Hein Ça pourrait être sympa. Allez. Oh là 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 là. Ça ne s'arrête plus. Mais non Ah non Mais non Mais non Mais non, mais il y en a... Il y en a, ça fait deux ans qu'il le cherche et lui, il en a deux dans la même summon, quoi. C'est fou, mais. Oh le doublon galion, quoi. Oh là 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 là. Pirate. Oh non mais encore des étincelles. Mais combien il y en a eu là 5-6 sur les 30 derniers vélins Oh Je l'avais dit Je l'avais dit Je l'avais collé un petit verdet pour finir cette semaine Oh non mais cette semaine est complètement délirante Il n'y a pas de 5 étoiles mais on s'en fout quoi On a eu Miang, On a eu Chloé On a eu Galion deux fois On a Verdeil On a tous les meilleurs 4 étoiles en une semaine C'est bon, t'es tranquille Et là tu vas passer 4 mois à monter tous ces super 4 étoiles que je t'ai sortis Quoi Parce que tout cela, euh, t'as pas le choix Il hein. faut les Awake, il faut les monter 6 étoiles, faut les runer, ça va te changer la vie. là ton compte il a pris mais un Coup de boost. Monstrueux, quoi. Oh, mais j'hallucine. 4 quatre... Quatre vélins, je m'en fous. Alors là, mais sortez-moi même des deux étoiles dans des vélins mystiques. Je ne serais pas déçu, quoi. Il n'y a plus rien qui peut me décevoir maintenant. Hein. Oh là là, et encore des étincelles. Mais porno jusqu'au... Jusqu'au bout, hein. jusqu'au dernier vélin. Elle va être... Euh, Peggy 18 cette semaine. Allez, et encore un fake. Et les deux derniers, encore des étincelles et un fake. La quantité de 4 étoiles, quoi. Je suis choqué quoi je suis mais waouh wow, je... <laughs> je, je, je je ne sais plus je ne sais pas je, je, je ne comprends pas quoi je, je ne sais pas je comprends plus cette semaine quoi c'est waouh incroyable <laughs> je vais faire un petit peu de foot pour pour faire encore un peu de place parce qu'il nous en manque encore un peu j'hallucine quoi je, je, je suis waouh wow. Voilà, je suis waouh, c'est ça, je suis complètement waouh, choqué là. Pff. Heureusement que j'invoque pas de debout, hein, parce que je serais tombé, ouais ouais, carrément tombé devant cette summon complètement indécente. J'hallucine quoi. Eh, j'ai jamais vu ça, il n'y a pas de 5 étoiles, mais honnêtement, mais on s'en fout quoi. Alors là, waouh, oh, les monstres qu'on a chopés. C'est complètement indécent quoi, complètement indécent. Allez, hop, on se fait encore un peu de place. Voilà. Je ne sais pas s'il si restait encore un tout petit peu de place dans le stockage. Voyons voir. Et il nous en reste encore un petit peu. Alors, écoutez, on va y mettre ça. Est-ce que ça va nous suffire Ah non. Est-ce que ça va suffire Je ne sais pas. Écoutez, on va bien voir. Mais je crois que ça va être un tout petit peu juste. C'est pas grave, au pire. Il euh... reste ah, une quarantaine, on reste combien là Ouais, ah, non, je crois qu'on est bon là. On est bon, allez, on va voir. Allez, c'est parti, 4 vélins de vent. A tout moment, on achète une. Hein. à tout moment, je vous le dis, on achète une là. Hein. Vu comment elle est partie cette semaine, mais je serais juste même pas étonné quoi. Non, <laughs> c'est un fake. Ça, ça fait aussi une belle quantité de food. Hein. Mine de rien, euh, tous ces fake 4 étoiles, moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien les choper dans les summons parce que euh, je les monte. Hein, je les monte et puis ça me sert de food pour les, pour les 5 étoiles. Hein. Ok, Vélin de Feu. Il te manque quoi Quoi wow, ou Barreta. Et tu serais bien. Parce qu'il ne me semble pas avoir vu Barreta. Tu me dis d'ailleurs de, de garder ce qu'il faut pour la fusion de Barreta. Donc, euh... ah non, do dommage. Dommage. Tu seras obligé de le fusionner. Mais bon, allez, c'est pas trop grave. Hein. Honnêtement... Plus que tu as chopé jusque-là. Moi, j'ai voilà, rien à dire. J'ai aucun reproche à faire à cette semaine. Hein. Ah, non, 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 non. Les vélins élémentaires nous ont pas porté de chance. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il nous reste 16 vélins light and dark. Et là, là. Ouh, allez, tranquille. On y va tranquille. On va sortir un très, très joli truc des vélins light and dark. Moi, je vous dis. Je le vois, je le vois venir. Je vois un, un bon, gros truc bien sympa. Ok, un petit euh, Jackie Chan. Non, ça, c'est pas très, très intéressant. Allez, toujours pas d'étincelle. Il y a des beaux trois étoiles, c'est pas grave. Un petit Montura, ça me fait un plaisir. Ou un Kumae, hein, pour faire la fusion Véramos, si jamais. C'est pas grave. Au pire, tu peux même le monter pour faire du, du Necro avec. Hein. <laughs> ah, un petit Woonek. Ouais, sympa, sympa. Sur la fin de la Hard. pourquoi pas. Pourquoi pas. Pas euh, voilà, c'est pas un truc. Euh, tu peux... Tu peux faire sans. Non, là par contre, vous commencez à abuser, hein, vous commencez à me saouler un petit peu avec vos semaines un peu pourries. Je veux euh, quelque chose de consistant. Hein. Je l'ai dit, je l'ai appelé, je veux voir des étincelles, je veux pas voir de papy bourré. Non, non, ça les papy bourrés ça m'intéresse pas. Ils sont crus ou quoi On n'est pas aux alcooliques anonymes ici, quoi. N'importe quoi. Un petit haman, hein, ok, du farmable. Hein. On en est là, hein. on, est, on en est à me filer du farmable. J'ai bien compris, hein, j'ai bien compris que la semaine Myong, Verde, Galion, euh, Chloé, ça vous avait saoulé. Alors du coup, maintenant, on a invoque du farmable. Kabila. Kabila, pourquoi pas Kabila, pourquoi pas, c'est intéressant, c'est quand même le boost ATB qui a le plus de vitesse de base, mais ça c'est très 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 late game. Très honnêtement, ça se met de côté, ça se garde pour plus tard, parce que c'est quand même vraiment très late game. Hein. Après, il faut les coller derrière. Oh Ça, c'est beau Tu voulais train Tu voulais Barretta. Tu as train Ça, c'est beau. Ça, c'est du beau 3 étoiles Light and Dark. On est vraiment content, quoi. Excellent. Ça aussi, hein, c'est un des boss de la TOA. Hein. Tu, vas, pff, tu vas vraiment, vraiment bien t'amuser avec ça. Hein. Allez Mais sérieusement, sortez-moi des beaux 3 étoiles. À défaut de sortir un 4 étoiles, sortez-moi de beaux 3 étoiles. Allez, allez. Petit Montura. Non mais non, mais non, mais non, mais non, mais non Mais, mais c'est du farmable, ça encore On n'en veut pas, quoi. Allez, il nous en reste 6, sérieusement Je veux voir une étincelle, s'il vous plaît Ah petit robot, allez, non C'est sympathique, c'est sympathique, c'est pas mauvais, de toute façon les tends, souvent, ils sont comme ça, souvent ils sont sympathiques, mais euh. Non, mais non <laughs> Allez, faites quelque chose, quoi S'il vous plaît, des petites étincelles là Non Encore un papy bourré Putain, mais sérieusement eh hey, mais ils se sont donnés rendez-vous, ils nous ont pris pour une taverne quoi. Vous croyez quoi là qu'on boit à l'œil ici. Allez, pimentura. Non, ou un petit jultane, petit Échir, un basalte même. On n'est pas comme ça, on a chopé plein de mammouths en plus. Pour la foot, ça serait parfait. Allez, Donna, oui. <laughs> Donna, très bon, hein très bon cleans pour le raid, magnifique Donna, excellent. Et en plus c'est le cousin Germain de de. de de Mav, donc forcément c'est sympa. Oh là là là. On s'est un peu fait pisser dessus sur les Light and Dark, on est un peu un peu dégoûté mais qu'est-ce que vous voulez dire Il faut bien payer hein c'est le karma je veux dire, c'est le retour du bâton hein On a on a fait euh, un truc complètement affreux sur les sur les mystiques, fallait bien que sur les Light and Dark ça se calme un peu. Il nous reste cinq légendaires, cinq légendaires, c'est quand même cinq chances. 5 x 10 de chance de choper un 5 étoiles. On y croit. Au pire une chose, une. Au pire, une chasune, je serais pas déçu. Hein. Soit. Bon. Ouais, éventuellement. Sa farm fait mon, pourquoi pas. Allez, 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 allez. Allez, petite une. Oh C'est Ganymede C'est Ganymède. Et voilà, et voilà Il nous manquait ça, le petit 5 étoiles pour transformer cette summon qui était monstrueuse en une summon complètement. Euh... <laughs> Excellent, le petit roi des févents, le petit Ganymède qui récupère les cooldowns. Euh, avec son skill 2, hein, ventilation, je le sais, euh, j'ai le même sur Oberon. <laughs> si jamais. Euh, et puis voilà. Et puis voilà, qui est donc euh, qui est sympathie. Qui est sympathie. Voilà, qui met la, la, la jauge d'action à zéro, qui met tous les skills en cooldown. C'est quand même euh... <laughs> et c'est pas résistable. Hein, donc ça... Pff, hop, voilà. Et ben voilà, c'est fait. Hein Il nous reste encore 3, hein, donc euh, attention, tout est possible. Allez. Oh, des étincelles. Petite chazune là, petite chazune. Oh <laughs> Non, c'est pas vrai. <laughs> je n'en peux plus, j'en veux plus de cette somme. Franchement, je sais pas si j'aurai la force de faire les derniers. C'est pas possible. Charlotte, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi En plus, avec Galion, mais ça va être tellement fort avec son AOE. Oh là 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 là, mais c'est énorme. Son leader skill qui ira bien aussi avec Ganymede, pourquoi pas Oh là là, il y a des trucs à se faire là. Il y en reste deux encore, il en reste deux. J'ose plus, j'ose plus quoi, j'ose plus regarder. Me dites pas que c'est encore un 5 NAT hein, je peux plus hein. C'est trop là. Ah, ça va. Ah, un bon mieux un bon mob bien pourri. Ah, ça ça Ah, ça fait plaisir un peu dans cette semaine d'avoir euh... <laughs> Allez, dernier légendaire. Pff, moi je m'en fous, ça peut être n'importe quoi de toute façon. Euh... Voilà, voilà, Ryan, Ryan Reynolds, magnifique, le monstre, euh, voilà, sympa, mais sans plus, le truc euh, qu'on montrera jamais de toute façon. Ok, bah écoutez, très bien, très bien. Euh, je sais pas si ça vaut le coup qu'on aille faire le compte, hein. Franchement. Et voilà, et voilà. <laughs> et voilà. <laughs> GG Mana. Eh hey, mais il y a du monde qui... C'est Mana qui invoque. Mana, c'est même sur mon deuxième compte. Ah, Fishmaker, tu es là. Il s'est tout spoilé. <laughs> oui, parce que c'est son deuxième compte. Il s'est tout spoilé, j'y crois pas. Oh, zut. <laughs> ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, ouais, monsieur se fait plaisir. Monsieur se fait plaisir sur son premier compte. Hein. Oh là 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 là. J'ai tout raté. Euh... Vous n'avez pas vu les 4 étoiles. Bon, ouais. allez, c'est pas grave. Oh, purée, on avait oublié le Wish, dis donc. Et à tout moment, on chope un monstre au Wish. Hein. Alors, avec une semaine comme ça, euh, rien n'est impossible. Hein. Non, ça sera pas un monstre. <laughs> yeah, yeah. Bah, tu iras faire un petit peu d'arène. Ça t'apprendra avec tous tes nouveaux monstres là. Oh, aïe yeah, yeah. Alors, qu'est-ce qu'on a eu Ganymède Charlotte. Ok, ça, ça fait bien plaisir. Et ensuite, on a eu quoi 1, 2,

Hop! Galion. Deux fois. <laughs> oh là, là 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 la semaine quoi, la semaine. J'ai Jacques. Déjà... Tyron. Aïe oh, aïe aïe. Miyang. Bon, écoute, Nailmaker, euh, bah voilà, hein, je vais te rendre ton compte parce que maintenant as du boulot, mon ami. Euh, tu vas passer ta vie dans les donjons de Keros, hein, à farmer les essences, et ça sera bien fait pour toi. Je penserai à toi et je serai <laughs> bien content. Voilà, voilà, je te rends ton compte et je te dis à la prochaine. Ciao, Nailmaker, salut.